Salut les morphales, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui au menu, The Christmas Challenge. Yeah baby. J'ai fait un petit effort pour les fêtes. J'ai même fait un petit effort sur la vaisselle, si c'est pas beau. Donc aujourd'hui, pour le défi de Noël, je me suis procuré une petite dinde que j'ai fait cuire entière. Je lui ai juste fourré quelques oignons dans le... avec un peu d'ail, assaisonné, poivre, sel, un peu de laurier, pour ceux que ça intéresse. Si ça vous intéresse, j'ai mis des photos sur Facebook, sur Instagram. Je vous rappelle, vous pouvez me suivre. Alors on a pesé la dinde crue, elle faisait 7 kg. J'aurais voulu vous la peser en vidéo, mais ma balance de cuisine ne va que jusqu'à 5 kg et je n'ai pas de pèse personne. Je vais vous montrer la bête. A few moments later. Tadam ! Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Pas mal, hein ? Bon, avant d'aller plus loin dans le défi, je voulais quand même vous toucher un mot par rapport à l'environnement dans lequel je filme. Je pense que ça va être provisoire, parce que ça ne me plaît pas plus que ça. Bon, on va essayer de la découper. Une dinde de 7 kg, je peux vous dire, je suis pas très confiant, hein. Mais bon, on va faire de notre mieux, comme d'habitude. Bon, allez, je vais la découper. Ne me gique pas dessus, ne me gique pas dessus. Et alors, qu'est-ce que t'as là-dessous? Pardon. Et ouais, je vais manger avec les mains, mais comme un gros porc. Je n'ai rien à foutre. C'est Noël, qu'est-ce qu'il y a? C'est Noël. Je vous annonce que je suis de moins en moins confiant au fur et à mesure que je découvre toute la viande qu'il y a là-dessus. Parce qu'on pourrait se dire que la volaille, il n'y a pas beaucoup de viande. Mais là, je vous assure qu'il y en a de la viande dessus. Hein. Ça va être chaud, ça va être chaud. Bon, bah écoutez les amis, j'ai détaché le plus gros de la viande. Je crois que je vais attaquer. Je me suis prévu une petite sauce samouraï au cas où ce serait trop sec. Chaud patate, chaud patate. Putain, il y a beaucoup de viande, il y a beaucoup de viande. C'est énorme. Allez, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Ouh! Excellent! C'est pas trop diététique la peau, mais moi. Regardez-moi la taille de ce blanc. Ça, c'est pas un blanc de poulet, hein. Un demi-oignon que je lui ai mis dans le cul. Oh, oh, eh oh, parle pas comme ça, hein. Je lui ai mis dans les fesses. La taille de la cuisse, énorme. Très bonne cuvée. C'est super bon, mais c'est vraiment dommage que ce soit sec. Comme ça doit cuire super longtemps, bah forcément c'est sec. Eh bien, je tiens à vous annoncer en direct que j'ai sous-estimé la puissance de la dinde de Noël. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. C'est énorme. À mon avis, il doit bien faire 800 grammes. Grammes. J'étais pas loin, hein. Quasiment 800 grammes, un blanc. Wow. Énorme. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. De toute façon, je la terminerai pas, ça c'est sûr. J'ai encore un peu de place, mais je me dis, c'est une dinde de Noël. J'ai pas envie de me forcer jusqu'à avoir mal au ventre. J'ai envie de savourer le reste de cette dinde. Parce que honnêtement, elle est vraiment bonne. On a dépassé les 30 minutes. J'ai presque mangé la moitié de la dinde. Je vais me garder l'autre moitié. Je vais me la manger dans les jours qui suivent. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais je tenais quand même à vous faire une vidéo un petit peu spéciale pour les fêtes. Moi, je vais vous laisser là. Comme d'habitude, si vous avez envie, vous me lâchez un petit pouce bleu.
vous me mettez des commentaires, vous vous abonnez si vous n'êtes pas abonné, bien sûr. Et puis je voulais vous dire, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo parce que je vais profiter des fêtes de fin d'année avec ma famille, mes amis. Je suis sûr que vous allez en faire autant, en tout cas je l'espère. Donc, sur ce, on se revoit le premier mercredi de janvier pour une nouvelle vidéo. Profitez bien, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes de fin d'année, amusez-vous comme des petits fous et éclatez-vous le bide. Ça va être le marathon de la bouffe dans quelques jours. Allez, dans 2 semaines du coup, ciao! Et hop hop hop, petit morfalou! Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux voir d'autres vidéos, il y a ma tête qui débarque sur ton écran. Juste là à gauche, regarde. Voilà! Et si tu veux voir ma dernière vidéo, elle apparaîtra sur la droite de ce même écran. Tada! Un vrai tour de passe-passe, t'as eu ça? Bon, par contre, si t'as rien aimé, oublie tout ce que je viens de dire, et te remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sans rancune. Allez, ciao!